Drop it. Yo les potos, c'est Virus, glitch, after patch, duplication. Vous pourrez l'utiliser aussi pour faire le transfert de motifs, les potos. Donc, je vais vous remettre toutes les étapes. Donc, c'est bien l'after patch, les potos. Rien à voir avec ce que j'avais présenté le dernier coup. Donc, c'est tout aussi simple, les potos. Il va juste vous falloir le mock. En module 3, dépôt de véhicule personnel. Et le mock sera vide, les potos. Impératif, n'ayez rien dans le mock pour réaliser ce glitch. Il va vous falloir l'arcade. N'importe quelle arcade fonctionnera. Et il va vous falloir le garage de l'arcade, bien sûr. Et vous y mettrez autant de rachuites que vous voulez faire de duplication, les potos. Donc c'est parti pour le glitch. Donc, ce que vous allez faire, vous allez appeler Unizi. I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll bring it to you. Donc là Unizi, je l'appelle de n'importe quel garage. Attendre qu'elle spawn. Donc une fois que la Izzy elle est là, on va la rapprocher, on va la stationner sur le trottoir. Là les poteaux, vous allez voler un véhicule de Penji. Bien, il y en a un là. Et vous allez le rentrer dans le mock. Mock vide, bien sûr, pas de message de switch. Là, les poteaux, on va descendre. Attention, les poteaux, ne mettez pas votre mock à côté de l'arcade, à côté du rond bleu, ça fonctionne plus et vous n'aurez plus votre rond bleu au mock. Ils ont patché à ce niveau-là. Là, on va attendre de spawn dans le garage. Donc les poteaux, une fois que vous êtes dans l'arcade, je vais bien vous montrer que j'ai une RH8 que je vais écraser par la suite avec ma duplication. Donc là les poteaux, une fois que vous êtes arrivé ici, on va remonter dans l'arcade. Les poteaux, le glitch là est très facile. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Écoutez bien ce que je dis. Ça évitera de me dire que ça ne marche pas ou que c'est patché ou quoi que ce soit. Donc là, je vais me coller au jukebox, je vais rejoindre une première fois un ami qui joue en mode de visée différente. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous le rejoignez une deuxième fois, vous allez tomber sur le deuxième message. Donc là, je vais valider le premier, je vais refuser le deuxième. Là, je vais faire en ligne, activité, jouer activité créée par Rockstar. Et je vais lancer une mission, un travail de titan. Là, quand je vais valider ce message, je vais avoir un message d'erreur. Je vais faire flèche de droite, je vais compter jusque 3 et je vais valider le deuxième message. Donc là, je valide, je fais flèche de droite, 1, 2, 3, je valide le message. Je suis freeze, je fais en ligne, activité, jouer activité créée par Rockstar et je relance un travail de titan. Là, vous voyez, je suis dans le menu du jukebox. Donc une fois que je serai dans l'accueil de la mission, je vais la quitter tout de suite. Donc là, je quitte. Et là, vous allez voir, je vais avoir le menu du jukebox qui est freeze. Donc là, je vais aller me présenter tout doucement à la RH8. Pas besoin de courir, il n'y a pas de timing les poteaux.
Il suffit juste d'écouter ce qu'on dit et vous allez voir, ça va passer tout seul. Donc là, les poteaux impératifs, vous allez vous mettre du côté passager du véhicule pour pouvoir réaliser la petite manip qu'il y a à faire. C'est vraiment pas compliqué, mais surtout faites-le comme ça. Ça vous laisse le temps de réaliser la petite manip. Donc là, je vais me coller à la portière, je vais faire triangle. Une fois que je suis dans le véhicule, je vais faire rond et tout de suite, je vais spammer R2 jusqu'à temps que je me vois à l'extérieur de l'arcade. Excusez-moi. Je fais triangle une fois dans le véhicule, rond et je spam R2. Triangle, rond et je spam R2. Je spam, je spam, je spam, je spam, je spam, je spam. Même dans l'écran noir, je vais spammer. Là, vous m'avez vu à l'extérieur du véhicule dans l'arcade. C'est que c'est déjà une bonne chose. Je spam, je spam, je spam. Je spam. Voilà les poteaux. Je suis à l'extérieur. Bon, bien sûr, faites-vous pas tuer. Là, regardez, je vais monter dans le véhicule. Une fois qu'elle va démarrer, la plaque elle va changer. Et voilà les poteaux. Donc là, ce que je vais faire, je vais appeler mon mock pour la mémoriser. Les poteaux, votre duplication sera dans votre mock et l'original sera retourné à la place d'origine. Pour ma part, elle sera retournée à l'atelier de la reine. Numéro 1. Enfin, au garage de la reine, numéro 1. Donc là, mon manque y a spawn. Et voilà les poteaux, glitch de duplication, after patch. Donc profitez bien du glitch les poteaux. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire du motif, vous pouvez utiliser cette méthode. Vous reportez sur ma dernière vidéo. Ça restera identique à la méthode. Bon allez, ciao les poteaux. Amusez-vous bien. Allez, bye les poteaux. Bye.